Salut tout le monde, c'est Pixie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo sur le K-Watch Google français. Je m'excuse pour cette longue semaine sans vidéo. Hein. Je suis désolé, j'avais vraiment pas envie d'en faire. J'étais vraiment dans une période où je voulais faire un petit break. Mais voilà, j'essaie de repartir sur un rythme régulier de vidéos. Du coup, c'est parti. Alors, en ce moment, il y a un nouvel événement. Sur la version française, parce que là, je pense qu'on va arrêter de jouer à la version américaine. Parce que vraiment, je me concentre sur qu'une seule version. Parce que il y a énormément d'amis à moi. Qui n'ont qu'une seule version et qui arrivent à avancer beaucoup plus vite, mais genre à maxer les deux plus vite, etc. Parce que moi en fait j'ai tendance à vraiment jouer sur les trois versions. Donc la japonaise a fait une série dessus, donc on va la laisser, mais l'américaine ça m'étonnerait qu'on refasse des vidéos dessus. Bref, voilà. Donc en ce moment il y a un événement qui est sorti il y a un petit moment sur la version américaine, que j'ai fait sur la version américaine du coup, mais bon, c'est pas très grave. C'est la Festa Autonale Inferno. Bon, alors traduction. Comme d'habitude, mais alors c'est la fête de l'automne, enfin ça c'est la fête infernale de l'automne, un truc comme ça, ou bref. Du coup voilà, on va regarder un peu tout ça, puis on va faire des niveaux, etc. On va en parler. Donc déjà c'est super cool, les nouveaux big boss arrivent. Donc il y a Robonian 3000 et Pink Emperor. C'est Emperor, du coup en français. Et du coup voilà, j'aimerais beaucoup avoir Robonian 3000 parce que Robonian 3000 il fait des dégâts directs, il est assez fort, c'est un costaud en plus. Emperor, je crois qu'elle booste l'attaque, c'est toujours ça. Et donc Robonian 3000 arrive la semaine prochaine, du coup de lundi à dimanche, donc le 20 au 26, et Emperor du 27 au 3. Voilà. Et il faut savoir que moi souvent à la fin, c'est pas cette semaine mais la semaine dernière, il y avait une attaque de score avec je crois que c'était comment il s'appelle, attends, je vais voir. Avec, voilà, lui. Et donc j'ai réussi à finir entre les 100 et les 200. J'étais 110e à peu près. J'étais un peu deg parce que j'avais bien parlé pour être dans les 100 premiers. Donc voilà, c'est une première pour moi. Mais vu que maintenant il n'y a plus le glitch, on arrive beaucoup mieux à monter ceux qui ont travaillé leur yokai. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est un sombre. Et il va bien avec mon domination et ça, c'est bien. Après, on a une ultime qui est pas ouf à lui. Bref, donc voilà. Vous pouvez voir aussi que j'ai maintenant Modico dans mon équipe. Je suis vos conseils, c'est vrai que mon Nico est beaucoup mieux que Coach Nasonic. Donc voilà. On n'a pas fini de regarder toutes les informations. Hop, ok. Mais la carte d'événement, alors je vous lis ça. Progresse dans la carte et collectionne des points d'événement. Tu peux changer des points d'événement entre divers objets yokai. Apprivoise de nouveaux yokai dans les niveaux cachés. Comahus, Comistigri. Comahus s'attend dans la Festa Autonale Ultra Inferno. Et Comistigri dans la Festa Autonale Inferno Finale. C'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. Hein. Je crois qu'ils se sont trompés. Yokai avec des compétences spéciales apparaissent dans l'événement. Donc moins de dommages au niveau d'événement. Smash et bulle. Allez, pourquoi ils ne traduisent pas? C'est Oracle. Mais en plus, regardez, c'est pas du tout traduit là. Orox, qui fait des. Et eux, ils font des bonus de points d'événement. Donc vraiment, je vais essayer de les avoir comme Aous et comme Esprit. Là, je suis à peu près. Je suis à l'Ultra Inferno, je suis presque au boss. Donc voilà, on va aller au boss aujourd'hui pour on débloquera ce niveau secret. Voilà, et je vais vous expliquer aussi comment débloquer le niveau secret, etc. etc. On va aller voir d'ailleurs, j'ai même pas préparé ma petite fiche. Et voilà, et Thorax et Orox arrivent, au Bingo Kai de la chance. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de pièces, on va pas utiliser tout aujourd'hui, on va se mettre juste à 50 000, histoire de pas tout dépenser, j'essaie de faire des petites économies. Donc voilà. On va le faire quand on aura 63 000 pièces. Donc 2000 pièces à peu près. Et vu que j'ai à peu près 500 pièces par combat quand je joue normalement, ça va. Juste avant de commencer à faire les niveaux, je vais vous dire les niveaux secrets de l'événement. Donc, alors attendez. Parce que là, je suis sur le petit site. J'aimerais aussi faire une petite dédicace à un youtubeur qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps sur le Kaiwatch. Il s'appelle Nononian, en fait c'est la personne qui gère aussi un petit peu, d'après ce que j'ai compris, le wiki Kaiwatch, et qui fait beaucoup de vidéos très très intéressantes sur Kaiwatch Bubble Bubble. Elle fait des flash info, etc. et j'aime beaucoup le concept, donc je vous invite à aller voir sa chaîne parce que c'est vraiment très très cool. Alors attendez, du coup je sais que pour cette map là, donc la Ultra Inferno, pour la débloquer au niveau secret, il faut finir le niveau du boss en 65 secondes maximum. Voilà. Et pour la dernière map, pour débloquer le niveau caché, donc Comahus, il faut attendez. Ah oui, non, pardon, excusez-moi.
Donc en fait, Comahou c'est là, ils se sont pas trouvés. Comahou c'est bien là, donc c'est bien 65 secondes max pour Comahou et pour Comistigri qui était à la fin. Je crois qu'il faut juste battre Pot-au-feu, il me semble. Hein. Vous savez, c'est Pot-au-feu. Voilà, bat Pot-au-feu pour débloquer le niveau caché 2. Et voilà, Pot-au-feu n'ira pas à cet épisode, mais on fera notre épisode où on essaiera de le combattre. Ou peut-être que j'aurai pas combattu, etc. Mais voilà, on va essayer. J'espère que je vais y arriver. Mais il n'y a pas de raison que j'arrive pas parce que c'est quand même des très très bons yokai. Donc voilà, c'est parti. Voilà, je vais être sec. On va lui faire des dégâts. Hop. Alors, je vais vous montrer un petit peu du coup. Le score que je fais un score pas trop mal. Enfin, c'est plutôt cool. Hop, voilà. On va faire rapidement Serpent. Ce Serpent, je vais améliorer son ultime au niveau 3. Elle est bientôt niveau 4, donc pour l'instant je fais que de faire son ultime. Je pense pas l'améliorer au niveau 5 pour l'instant. Je vais peut-être plus me concentrer sur Domitien et ça, j'aimerais bien le maxer. Il est bientôt, bientôt. Il est environ au début du niveau 5, 22% je crois. Donc voilà, mais ça pourrait être vraiment sympa. Mais c'est sûr que Serpent maxé, il est assez cheaté, mais bon. J'ai pas envie de trop m'attarder dessus parce qu'il est quand même bien à 6 heures. Hop. On va le... Ah putain, je n'arrive pas à... Enfin, là, il fait quand même des trucs pas trop mal, hein, même au niveau 3. Donc on mettra au niveau 4. Puis on sera pas... Hop, ok. Malheureusement, je ne peux pas le faire une deuxième fois, mais c'est pas grave, quand même. La plupart du temps, j'arrive à le faire deux fois, mais là, vu que j'avais qu'un ennemi, c'était assez rapide. Hop, et du coup, je fais un très très bon score, et ça me donne à peu près 4 en 3 spécial Y. Vu que je vous dis que je le fais à peu près deux fois, ça me fait vraiment faire les 600. Voilà. Et bon, les points, par contre, c'est assez rare. Hein. C'est, ils mettent peu souvent des points 50 ou carrément. J'en ai eu une fois un 100, quelques fois un 50, et une fois un 30. Alors ça c'est le niveau, faut que je max aussi ce niveau là, le niveau 46 je pense que c'est le niveau où je vais le fermer parce que voilà il y a 3 yokai qui sont très très haut niveau à multi, mais j'ai vraiment envie de les maxer celui-là. Parce qu'en plus ils apparaissent très souvent du yokai. Donc on va leur donner à manger à tous. Voilà. Histoire qu'au moins il y en a un des 3 qui est notre ami. Mais bon avec la chance que j'ai en ce moment, c'est un peu complexe. Hop, top, on va donner. Ah non, t'as mes curieux. Il faudra que j'en rachète, mais vu que maintenant j'ai beaucoup de pièces, voilà, j'essaye de faire comme les grands youtubeurs qui aiment bien garder beaucoup de pièces. Et voilà, c'est ce que je vais faire. Hop. Ouais, donc là c'est 10 points, et puis après j'ai l'impression qu'on en a plus. On en a qu'au début des points, puis après j'en ai plus, quoi. Ça c'est bizarre. Hop. Mais j'ai vraiment hâte qu'il revienne 3000 et que je fasse un bon score aussi. Hein. Si je reviens 3000, je veux le jeu. Je pense que je veux rien. Parce que seulement, si je suis dans les 200 maintenant. Les 100, ce serait cool. Mais ce qui est le meilleur en fait dans les score attaques, c'est d'avoir dans le local qui gagne. Et c'est les extra de l'arme aussi. Ils sont vraiment très très cool. Ouais. Okay. Oui, vous m'avez donné beaucoup de conseils hein, par rapport à la vidéo, ma dernière vidéo avec Serpent. Moi, je suis un peu clair. Donc j'ai retenu pas mal de vos conseils, etc. Je les ai appliqués, du coup j'ai beaucoup de pièces maintenant. Je suis content que, voilà, que vous ayez participé. Vous avez bien participé à la vidéo. Voilà. On va pouvoir le faire deux fois. Et ben non, on va pas le faire deux fois. Je me suis raté. Mais j'ai l'impression que les overtime sont trop trop rapides. Voilà, allez, hop. Pas grave. On va faire ça. J'ai un monstre. Oh non, pareil, il est pas devenu mon ami. J'ai vraiment pas de chance. J'ai l'air avec les yokai là. C'est chaud. Ben, ouais, je vais donner leur nourriture quasiment préférée. Et ben non, toujours pas. C'est pas grave. Bah, 580. Okay, on va bientôt pouvoir faire le bingo kai. Donc voilà, on arrive au boss. Donc là, c'est Tourak. Hein. C'est juste à la dernière map. C'est Pot-au-feu. Et Pot-au-feu peut lâcher des pièces. Automne. On peut faire du yokai avec, on peut avoir des... C'est un peu comme tous les événements, c'est une pièce qui donne beaucoup de rangs, mais qui peut donner aussi des rangs D, je crois. Bon, voilà. Donc, espérons que c'est pas trop trop dur. Normalement, je pense pas que c'est trop trop dur. Genre, si je joue comme un caca, ça va pas le faire. Mais celui dont j'ai eu plus peur, c'est Pot-au-feu. Clairement, déjà que Pot-au-feu normal, il m'avait mis bien mal. Alors là, Pot-au-feu de cet événement, j'ai peur que ça dure. Bon, c'est pas grave, toutes les pièces que j'ai, je vais...
pourrait me permettre de payer une ou deux fois. Et en vrai, c'est pas mes yokai super forts. En fait, ça, c'est les yokai pour gagner des pièces. Je suis un bon, une bonne attaque avec mes. Je pourrais améliorer mes stats. Mes yokai, facilement. Hop. Là, par contre, vous voyez, sur la fin, il a pas fait un truc de malade, mais bon. Tant pis. Il va pouvoir faire camaïeul. Oui. Est-ce qu'il est mort là? Oui, ok. Ok. Et voilà, bien joué. Bien merci, j'ai bien joué. Ok, terminé. Et donc voilà, là on va faire le yokai 4 fois. Ah, mi secret de l'âme, c'est bien, ça m'a donné à deux missions. Tout ce qui est petit secret de l'âme, tout ce qui n'est pas secret de l'âme normal, je donne à deux missions. C'est vu qu'il augmente de très peu. Ah bah j'ai réussi, génial. J'ai même pas cherché à le faire en fait. Vu qu'il emmène de très peu, ben je donne tout à lui. Hop. Voilà. 22%. Il avait dit le gars il va augmenter de 2% je crois. Ouais, 24%, c'est pas ouf hein. Allez, il m'a fait les petites pièces que j'ai toutes pourries, mais c'est. En ce moment je suis vraiment dans l'optique. Tant mieux quand j'ai des pièces nulles. Parce que je veux vraiment améliorer mes yokai. J'en ai marre d'avoir des yokai de rang E qui sont pas du tout améliorés. Voilà, génial, ça l'améliore, bon, c'est pas ouf, mais c'est toujours ça. 3,5, voilà. Hop, mais la meilleure, c'est la pièce une étoile pour améliorer mieux Kai, comme j'ai déjà. C'est, elle est géniale, ça. D'accord. Ok, robot tour, niveau 4, ça c'est bien. Mais quand je vois des youtubeurs français, hein, qui ont des yokai vraiment améliorés, moi je suis aucun yokai qui est niveau 7 encore. Ils sont presque, mais ah ça c'est Agoroma, c'est un yokai que je dois regarder. Il a un regardez, niveau 66. Ça j'aime bien. Ok. Donc on va faire ce petit ligne yokai. J'aimerais bien avoir Toracle. Enfin ou des yokai d'événement quoi, c'est cool. Mais au dernier spin que j'ai fait, j'ai eu Octogon. Donc voilà. Angélique c'est cool. Ça me max. Voilà, génial. Donc, on va en faire juste. Là, on a encore juste 3, j'ai pas envie de tout dépenser. Peut-être un dernier en fin de vidéo, mais. Ok, grand-père. Ah, lui, il est pas très augmenté. Voilà. Il est bientôt au bout, hein. Ah, merci, Twitter. Non. Oh, combien. Ah, ça. Ouais, regardez, il est bien maxé aussi. Bon, je savais que c'était pas un RS. Maintenant, je suis plus dégoûté hein, quand il fait wouhou. Je sais que c'est pas un RS. Ok. C'était très nul. Ah, ma boule. Ah, je l'ai pas. Génial. Génial, génial, génial. Ça me augmente. Hein. Ça m'a eu un plus. Sachant que j'ai bientôt. Comment on dit ça? La mission qui me donne de regarder. Qui donne un secret de l'âme. Et ça c'est bien. Alors parce qu'elle est. Déjà se connecte 250 jours différents, je suis presque. Est-ce qu'elle est cette mission? Ah c'est là, j'ai tapé. Encore 7 yokai. Je pourrais avoir un secret de l'âme. Bon, on va essayer d'encore faire deux fois le yokai. Enfin on va le faire maintenant. C'est quoi? On va le faire maintenant. Tant pis, je me remettrai un peu dessous. Mais parce qu'en fait j'ai envie d'aller à bout. Hop. Voilà. C'est pas ouf hein. Encore ma boule. Okay. Et vous avez vu son Weebob, il est plus marron que lui. Genre lui il est noir tu vois, donc c'est bizarre. Ah bonus voilà. Alors espérons qu'on ait un bon truc, mais bon on peut avoir des trucs nuls hein. Mais bon, j'ai pas mal de chance au bonus. On verra s'il aime me contredire ou pas. Voilà. Okay. Allez un petit peu reste, ça serait bien. S'il vous plaît. Non, okay. Ah c'est vraiment des trucs nuls. J'ai eu Octogon et Barakabo, les yokai qui sont dans des niveaux quoi, le truc nul. C'est pas grave, franchement, les amis, c'est pas vraiment grave. J'ai vraiment formé les pièces de mon côté. Je m'arrangerai pour que le prochain épisode on est quoi que ça veut dire. Ah ça continue, d'accord. Ça va être chaud. Okay. Qu'on est. Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'on ait pas mal de pièces, voilà, pour faire. Ok, attribut yokai. Okay. Donc. On va voir, alors il n'y a pas les costauds malheureusement, les costauds c'est plutôt une bonne chose pour moi.
Bah, j'ai même pas regardé les cas qu'il fallait. Attendez. Alors, il veut vaillant, mystérieux. Ah, cool, il veut les insaisissables. Et les mignons. Vaillant, mystérieux, insaisissable, mignon. On va voir ce que je peux faire. Ah, moi, je peux pas mettre de mission. Vaillant, mystérieux, insaisissable, mignon. Ok, donc ça fait ça. Hop, hop, hop. Donc, mystérieux, qu'est-ce que j'ai comme truc bien? J'ai comme Ashura. Ok. Hop, voilà, ça va être dur de le battre. Hein. Vaillant. J'ai de bons yokai vaillants, mais... okay. Mais le souci, c'est que... j'ai pas vraiment... Je les ai pas vraiment maxé. Voilà. Mystérieux vaillant. Insaisissable, bah, ça va faire plein de tickets déjà. Et et mignon. Mignon, j'ai pas de truc bien. Bien ouf, ça serait bien d'avoir un autre vaillant, comme ça j'ai un petit bonus de. J'ai lui qui est vaillant qui met les stats plutôt pas mal, mais bon, il est son ami, mais nul. Sinon, j'ai Shogun King. Ah, j'ai peut-être Shogun King qui pourrait peut-être m'aider à le stopper. Bah, on va voir. De toute façon, on va voir un petit peu comment il est. On va tout avec cette équipe là. On verra bien. Mais le problème avec mon combat Shura, c'est que vraiment il est nul quoi. J'ai pas du tout maxé. Alors, j'espère qu'il est pas trop dur parce que je sais que sur la version américaine, j'arrivais pas à le battre. Ok. Come out. Allez. Batman arrive, je ne sais pas. Déjà combien de dégâts il fait. Ok, 424. Il a combien de vie? Ouais, je pense que ça peut être possible. Je pense que je vais perdre là. Il y a peut-être moyen. Hop. Ça, il fait moins de dégâts. On va lui faire un peu après, mais bon, c'est pas grave. Hop, hop. Fait du caca là. Voilà, fallait pas faire ça non plus, mais n'importe quoi, Lucas. N'importe quoi. Moi je voudrais, voilà, merci, je voudrais un... Salut ma SS. Ok, bon. Ouais, le dégât. Oh, il y a moyen, il y a vraiment moyen que le battre. Hein. Ça va pas vite trop dur. En même temps, ils savent que la version... la version française, on n'a pas donc les deux cailles super cheatées, hein, ils n'ont pas donné encore de des là sur les etc. Par contre, faut... Ah oui, non. Faut faire un peu gaffe, hein. Tant pis, c'est pas la faveur. Tant pis. Non, fallait pas péter les deux combats sur un. Ouais, il y a grave moyen. Bon, là, faut vraiment faire un peu de pour pas avoir de problème. Vite, vite. Non. Punaise. Ok. Bon. Ça va. Je peux le faire. Ouais, on va réussir à le faire. Ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'il y a peut-être un yokai à changer. Genre comme Ashura. Peut-être qu'il y a moyen que... Parce qu'il est vraiment pas ouf le mien en fait. Et si on mettait un autre vaillant. On pourrait vraiment changer les choses. Après je vais mettre Babalance qui peut l'étourdir et qui fait des dégâts en plus, ça c'est pas mal, qui est niveau 3 et il a une puissance de 54 points en plus vu qu'il y a qu'un ennemi. Oh, 39 points, ouais, Babalance. Il y a peut-être pas bien qu'on y arrive mieux en plus, ça met la meilleure de PV et on pourra l'étourdir et gagner du temps. Allez, cette fois on va y arriver les amis, vous inquiétez pas, mais c'est cool, franchement ça va, ils l'ont pas mis trop dur. J'avais peur qu'il le mec qui change pas un peu la difficulté parce que Komaou c'était beaucoup plus fort que ça. Hein. Ok. Après c'est un rang A aussi, donc bon si tu l'as pas dans ton équipe, enfin si tu l'as pas, si t'arrives pas à l'avoir pendant l'événement, c'est pas vraiment très grave parce qu'il va réapparaître. Hein. Et aussi ouais, donc je parlais de Nonovian tout à l'heure. Il a sorti une vidéo qui expliquait, enfin qui il fait du data mining, c'est-à-dire que il regarde dans les fichiers du jeu. Pour voir s'il y a de nouveautés qui vont arriver, etc. Et a priori, il va y avoir deux missions éveillées qui va revenir au Nimokai. C'est plutôt une bonne chose.
concentration là, on va peut-être pouvoir faire pas balance. Punaise, ça m'énerve que ça fait ça. Oh, je pense ça va le faire. Je pense ça va le faire, les amis. Faire Slurpent. Ok. J'en en profite qui a encore fait du SS. Hop. Ah, quoique, va peut-être encore fail, je ne sais pas. En tout cas, je suis sûr que j'y arriverai de mon côté. C'est sûr et certain. Je vais peut-être encore le. Non, presque. Hop, voilà. Ok. Bon, ce qu'il y a avec Shogun Game, c'est qu'il se charge super rapidement son ultime. Vraiment très très bien. Il y a moyen vraiment de la, en fait, de la faire assez rapidement. Voilà. Là, comme ça, il me fait pas de dégâts. Ok, là, on gère. Là, les amis, voilà, c'est bon, on va l'avoir. C'est sûr. Puisque je rentre en faveur. Voilà. Hop. Serpent. Oh là là, c'est beau. C'est beau quand il fait ça. On a bien activé Feuillon SS. Waouh. Ok. C'est magique. Attendez, on va peut-être même pouvoir faire refaire. Je vous gagne juste pour le fun, voilà. Bon bah en tout cas il donne pas mal de points, ça qui est bien, c'est qu'en fait vu qu'il est dur et voilà, on a réussi. Ah je l'ai même pas donné à manger. C'est pas grave. Bon le principe de cette vidéo c'était pas de devenir ami avec lui. C'était vraiment de le battre. Mais voilà, je crois qu'on en a battu. Et c'est plutôt cool. J'ai des petits courriers à taper. Donc voilà, je suis content. Je vais continuer la map après moi de mon côté. On refera une vidéo sûrement qui arrivera un peu plus tard. On va reprendre le rythme doucement. Où on mettra un pot au feu. Et voilà, je vous donnerai peut-être d'autres conseils. Donc je rappelle, pour débloquer le niveau secret, c'est donc à l'ultra, c'est terminer le niveau de Thoracle avec 65 secondes max. Et la map terminale, enfin la map à la fin, quoi, c'est juste pas de pot au feu en fait. Voilà. Donc mon ami, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, je sais pas si elle aurait été très longue, mais comme ça on aura fait pas mal de trucs. Alors est-ce que c'est beaucoup de niveaux là? Non ça va en fait. 64, 48, il y en a 4, 16. Ok. Bon bah écoutez les amis, comme je dis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et puis voilà, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Allez bye tout le monde.